C'est mieux sans les cryptopos quand même. Tain, tain, tain. Je crois qu'avant elle s'ouvrait pas cette porte. On va refaire le même chemin pour la cinquième fois. On va essayer d'y aller un peu plus tranquillement. Arrêter d'essayer de rush.
Pas KL. Tu n'es pas obligé d'être totalement con non plus. D'accord.
L'épée de Claria. Donne-moi l'armure s'il te plaît, manquera plus que le bouclier et on sera complètement équipé. Faut juste que je fasse un test, je suis désolé les amis. Oh putain, de la folie! Les mecs ont 2 milliards de points de vie, quoi. Je me demande si...
Ah bah non.
Ça s'explique comment je devais y aller. Pour l'autre côté, si Adol était pas si con, il aurait aussi pu sauter. Adol le Rouge. Nous ne pensions pas que tu étais si fort, mais cela doit prendre fin. Je fais de la merde et j'y arrive quand même. Mais en mode easy, tu lui mets deux coups, c'est pas possible. La magie du bouclier.
L'anneau de la déesse. All eyes upon world des ténèbres. Gloire au pouvoir des ténèbres. L'harmonica d'argent.
Oh oui, ils m'ont amené mon bouclier. Du coup, eux, ils viennent du 1, les gars. Si vous n'avez pas suivi le 1, vous le savez pas. En fait, les deux mondes sont liés. En fait, le monde où je me trouve actuellement, en fait, est une partie de l'ancien monde qui a été envoyée dans les airs et qui du coup flotte au-dessus. Et les tempêtes sont plus ou moins liées à cela. Hey, salut Arch, bienvenue sur le live. Envoie-moi en l'air aussi. Mais avec plaisir, bien sûr. Je vous envoie tous en l'air. En tout bien, tout honneur. Ça va pas être facile.
Back in live. Donc deux essais cette fois. Ça nous change des 50 essais de la dernière fois. En fait, faut que je fasse tous mes lives malades, je pense. Dorénavant, on ne jouera que quand je serai malade. Je vais me balader à poil tout le temps. Adol a été reçue avec le sourire de tous. Monsieur Adol, vous l'avez fait. Et vous devenez quoi? Eh ben, je suis un descendant des six prêtres. Le prêtre Adal, c'était mon ancêtre. C'est plutôt cool, non? Tout le temps où tu étais en train de te battre, j'ai prié pour que vous puissiez bannir la perle noire de ce monde. Puis j'ai entendu des craquements et j'ai su que tout allait bien se passer. Tout est devenu paisible comme cela l'avait été avant. Finalement, tout le monde peut vivre dans un monde libéré des tourments des démons. Je devrais être heureux, mais je ne peux pas m'arrêter de pleurer. Darf, s'il te plaît, ne pleure pas. Si tu le fais, je vais commencer moi aussi et je vais plus pouvoir m'arrêter. Mon nom c'est Maria Mesa et le sang de la prêtresse Mesa court dans mes veines. Le démon m'a offert en sacrifice dans le but de pouvoir empêcher les prêtres de le battre. Darm savait très bien ce que les déesses avaient en tête et il avait peur de leur succès. Et en effet, il avait raison. Je suis sûr que la seule raison pour laquelle je suis encore en vie après le sacrifice, c'est grâce au bracelet du prêtre. La paix est revenue, mais cela a coûté bien plus de vie que nous ne l'avions imaginé. Je vais construire un monument dans le temple pour commémorer ceux qui sont morts là-bas. Hé hey Adol, tu l'as vraiment fait. Mon nom de famille, c'est Dabi. Tu connais le prêtre Dabi? C'était mon ancêtre. Qui aurait deviné? Les déesses m'ont dit dans mes rêves de venir ici. Quand tu es arrivé au village de Ramia, j'avais un étrange sentiment. Je savais que ce serait toi qui nous guiderais vers un nouvel âge de paix et de prospérité. C'est incroyable, au moins l'île d'YS a été sauvée de l'ancienne malédiction. C'est un nouveau départ pour nous. Oh, je suis désolé. Je sais que je parle beaucoup et je suis juste excité. En tout cas, je peux pas attendre de retourner à la maison maintenant que le temple est libéré de tous ses démons. Le vieux Leg va être tellement content. Adam, c'est moi, Kate. Je ne suis plus un démon maintenant, et je suis désolé si mon apparence te surprend. La magie a disparu de ce monde, et avec elle, la malédiction qui avait été placée sur moi. Quand j'étais emprisonné à Permutless, je me suis perdu dans mes rêves. Je me suis rappelé quand ma sœur a été tuée par ces démons.
Ouais, il avait de sombres désirs. Avec Adol et un petit garçon. Ah, il est en train de parler de sa sœur, du fait qu'elle avait pitié des démons parce qu'elle s'est rendue compte qu'ils avaient que la destruction et qu'ils ne pouvaient vivre que de ça. Là, il y a les personnages humains qui me disent qu'ils sont contents que je vais avoir changé tout et qu'ils vont pouvoir reconstruire. Tu l'as fait, Adol. C'était pas le chef des voleurs, Coban? Je crois que si, non? Adol, je suis si contente que tu ailles bien. Quand tu étais au milieu du combat final, j'ai cru que mon cœur allait exploser. Peut-être que ça a été le cas et que, en quelque sorte, je suis revenu à la vie. Et ouais, parce que on l'a sauvée, la deuxième déesse. On était un petit peu amoureux d'elle. Il y a tant que je voudrais te dire et je ne sais même pas par où commencer. Après que tu m'aies sauvé des profondeurs du temple, je suis resté à la maison de Jabba un certain temps. Je pense que je comprends tout maintenant. Je n'ai jamais su que tant de monde, de personnes merveilleuses vivaient dans ce monde. Il n'y a pas vraiment besoin de prêtresse ou de déesse ou de prêtre. Maintenant, même les terres flottantes d'YS vont être quelque chose du passé.
Estaria va retrouver son intégralité maintenant. Intégrité. Enfin, il va redevenir un. J'ai tant de mémoires heureuses de mon époque. Mais mes souvenirs les plus heureux seront toujours le temps passé avec toi. Je veux que tu le saches plus que n'importe que quoi que ce soit. Non, je pense que ça va pas se finir comme tu penses. Pendant mon temps passé avec toi, je me suis vraiment senti humain. Il y aura une séparation, c'est obligé. Je dois y aller. Réa m'attend. J'espère que tu penseras à moi de temps en temps et que tu te rappelleras de la fille et pas de la déesse. Adol, c'est le héros, il sauve tout le monde et il finit par repartir dans la merde.「僕らは別れ」
Oh, ils apportent des fruits. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, la semaine prochaine, ce sera le remake du 3 qui s'appelle YS The Out in Filgaia. Qui est en fait un remake du 3 fait avec le moteur du 6, je crois, ou du 5, je sais plus. Du coup, je sais pas ce que ça va donner en live. Ça va être compliqué parce qu'il n'a pas l'air d'être en fenêtré et c'est toujours un peu chiant. Enfin, je verrai ça moi dans la semaine. Du coup, je vous remercie d'avoir suivi ces lives sur YS 1 et 2, donc les deux premiers de la série, donc le début de l'histoire de Adol dans le monde. La suite, donc, ça sera la semaine prochaine, dimanche prochain. Ce soir, nous commençons FF8, vu qu'hier, nous avons terminé Deus Ex. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Il y a une raison pour laquelle j'ai commencé les YS, vous en doutez, c'est qu'en fait le dernier est sorti ce mois-ci. Et je me suis promis de le faire avant la fin de l'année prochaine. Mais du coup, je voulais faire les précédents avant. Comment dire? Je voulais pas recommencer. Non, ça passera pas. Ça, c'est pas mal. Je voulais pas commencer une nouvelle série en fait comme ça. Je voulais commencer une nouvelle série après avoir mis tout en place pour que ça arrive. Avant 2020, ouais, j'espère avant 2020 quand même, ça serait pas mal, je dois bien l'avouer. Du coup, c'est vrai que l'idée, c'est de faire tous les YS possibles, sachant que je sais déjà que le 4, ça va pas du tout être possible parce que le remake n'est jamais sorti en Europe et la version originale est en japonais. Donc je regarderai si je trouve une version au moins américaine pour jouer. Mais comme c'était un jeu PS2, je suis pas sûr qu'on en trouve beaucoup. Enfin, je verrai. Je ferai en sorte qu'on arrive à avoir quelque chose. Après, j'ai celui qui sert en fait d'épisode avant tout ça. Du coup, j'ai pas compris si c'était Adol le héros ou pas. On verra bien. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je suis malade, donc je vais aller faire une sieste. Et on se retrouve ce soir pour du FF8. Peut-être au milieu d'après-midi si j'ai envie de faire un peu de PUBG. On verra ou pas. Il faut que je règle la FF8 aussi avant ce soir. Ouf. Ouais, je vais me soigner un peu. Je vais me prendre un thé avec de l'alcool. Tout ça, ça devrait aller. Je vais aller mettre mon gant moussale aussi parce que même si c'est que de l'eau, il a quand même. Il a quand même fait la matinée. Ou alors je vais le garder encore quelques heures, je sais pas, on verra. Et pour ça, j'ai pas besoin de bonnet vu que j'ai plus de gants. Et des bisous et merci bien pour votre soutien.
Palalala. Faudrait que je rajoute les nouvelles images en fait. Celle de PUBG, elle y était. Il y a celle de Deus Ex qui doit pas y être. Y-S non plus. Putain, merde, on va finir Red Dead aussi. Ah bon, on a dit qu'on faisait du Fallout après. Parfait. Du coup, on est tout.